On est dans le Far West. Ben oui. On your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker, ici chez Web. Okay. Good. Wait, you're about to. No. On va les montrer. Tout le monde. Come on, louder. Pas mal. Tu vois, c'est pas compliqué. Allez, à toi. Will, I think they're ready. Attends. Ok, change de son, s'il te plaît. Appel Denver, j'ai besoin de savoir où elle est. Contacting Captain Marvel for a pre-warhead update. Stark, is your life so empty you need to keep calling me for these missile updates? Faire des blagues tout en sourant le monde, c'est ma marque de fabrique, Denver. Du nouveau sur ces missiles Kree? Well, the Kree warheads are closer to you than the last time we spoke, and I'm closer to them. How's that for an update? Are you ready? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules et hypersoniques de la fête. Please explore
purpose and begin your training program. Running systems check on your business worldwide. Treat the bed of your kind. You know when you offer yourself greatness, because. Se déguste ici à Paris. Et ce soir, Rémi, le plus grand cuisinier de la capitale, s'apprête à vous concocter une petite merveille. Tout le monde peut cuisiner, mais personne ne cuisine comme Rémi. What's good? On se remet à moins deux jours dessus. Hier, première journée de parc à Disney. Et on a pu vous mettre quelques extraits. Ici, les feux d'artifice commencent quand il fait noir. Donc, encore là, comme la tour Eiffel, il faut attendre qu'il fasse vraiment noir. Ce qui veut dire vers 11h, 11h moins 10, ça commençait. Puis, ça finissait vers 11h30, mais 20. Donc, le temps qu'on retourne à la chambre et tout. Donc, il était minuit, donc on était un peu fatigués. Surtout que le matin, on partait de Paris, là, c'est comme deux mondes complètement à l'opposé, là, mais c'est ça a super bien été. Le monde ici, sont super fins. Le parc, c'est ça, il est plus petit, il est vraiment plus petit que celui à Orlando. Il y a deux parcs, il y a le parc studio... C'est Disney Hollywood Studios. Disney Hollywood Studios, puis l'autre c'est Disneyland, que dans le fond il y a tout. Qu'est-ce qui est. C'est comme pas le même. C'est un peu du Magic Kingdom, mais en plus petit. Ouais. Puis c'est dans le fond tout ce qui est Discovery Land, c'est pas mal tout ce qui est rapport aux espaces, donc Star Wars se retrouve là. Et on a Frontierland. Ouais, Frontier, on n'est pas allé. C'est là qu'il y a Big Thunder Mountain Railroad puis Indiana Jones. Ouais. On n'est pas allé encore. Puis de toute façon, c'est ça, hier, il a commencé à pleuvoir, comme vous avez pu voir, à mi-journée. Ben, plus, non, après souper, en fait. Nous, on est allé manger chez Bistro chez Rémi. Oui. Puis après ça, on est allé faire Ratatouille directement après, vu qu'il est à côté. Puis après ça, on voulait s'en venir vers Disneyland, vu qu'on était à Hollywood Studio toute la journée, puis il commençait à pleuvoir. Au moins, on était super bien équipés, on avait une calotte, l'imperméable et tout, donc on a pu continuer à faire des manèges. Tous ceux qui étaient à l'intérieur, en fait, on pouvait continuer à le faire. Il y a seulement ceux qu'il y avait une section avec des rails à l'extérieur qu'on n'a pas pu faire. Donc, on va essayer de se reprendre aujourd'hui. Ça va être ça. On va commencer par Disneyland, puis on va s'aligner vers les files les plus courtes, puis ce qu'on peut faire. C'est sûr, il annonce un peu de pluie, mais je pense qu'on. J'espère qu'on va s'en sauver. Oui. Non, la date, c'est vraiment bien. Le bout de Marvel de Disney Hollywood Studios est vraiment nice. Moi, j'ai particulièrement aimé. L'autre, as-tu aimé ça toi aussi? Oui, vraiment. Spider-Man, par contre, le manège, il fait vraiment mal au bras. Alors, faut être comme de même tout le long. Oui, exactement. Et c'est un peu là, dans le même style que Buzz Lightyear ou Toy Story. Là. Il y a des écrans devant nous, puis il faut tirer des choses. C'est juste que c'est avec le movement tracking de tes bras
Fait qu'il faut comme continuellement garrocher. Continuellement garrocher. Puis quand on dit continuellement, c'est genre un effort intense de comme 3-4 minutes de la shot. Ouais. C'est quand même. C'est vraiment nice. Ouais, c'est sinon, le Flight Force avec Iron Man puis Captain Marvel, qui est essentiellement le Rock'n'Roller Coaster, mais dans le noir, justement, avec des écrans un peu partout. Très, très nice aussi. Hier, Lo, elle a eu un peu honte parce que dans It's a Small World, j'ai plus honte. Quand on est arrivé dans le secteur où il y avait le Canada, il y a quelqu'un dans le bateau qui a crié « Hey, c'est chez nous! » Et c'est ça. J'ai pas eu honte. Bon, sur ça, on vous laisse puis on s'en va profiter du parc. Donc, yes. Bye-bye! Bye! Nous serons tous privés d'énergie et à la merci de Sœur. Star Command a bien choisi son moment pour envoyer de nouvelles recrues. Bon, très bien, nouveaux Rangers de l'espace, écoutez attentivement. Zurg compte utiliser le générateur à cristaux fusion pour alimenter son arme secrète. Notre mission est de retrouver ses robots et son arme secrète et de les pulvériser. Mr. Convert se chargera de récupérer le générateur pendant que vous autres vous concentrerez sur les... Thank you.
OK. Faites assez des autos qui sont. Ça gêne dans le coup, ils sont mieux d'avancer. Non! Il m'a mis votre tabonnage. Tu peux pas changer de voix, là. So magical, shining from all of our dreams. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand et de rire plus fort? So now, we invite you to dream bigger, smile wander, and laugh louder. Together, let's make the future brighter than ever. Ensemble, rendons l'avenir plus brillant que jamais. La magie ne fait que commencer. The magic, it's just begun. The future holds so much more than we've ever seen before.
Yes. On est sur notre départ, donc on va laisser nos valises à la bagagerie. Oui, c'est comme ça qu'il y avait ça. De l'hôtel, puis ils vont aller directement les porter à la gare qui est juste à côté du parc. Donc, on va pouvoir directement les prendre pour prendre le Magical Shuttle vers 5 heures pour se rendre à l'aéroport, puis s'envoler vers Glasgow. Mais, entre-temps, on a encore du jeu pour aller dans le parc. Donc, vers comme 5 heures, on va revenir... on va finir notre journée, là, mais quand on va pouvoir en profiter encore aujourd'hui. Mm-hmm. Sinon, hier, on est allé manger au Cape Cod, à l'hôtel Newport... Newport Bay Club. Ouais, puis c'est ça, après ça, on a profité pour aller de l'autre bord du lac pour aller voir l'hôtel Marvel aussi, qui était super impressionnant. Enfin, c'est un hôtel 5 étoiles, mais sur le thème de Marvel, Des sculptures de super-héros, t'as des présentoirs avec, mettons, trois armures d'Iron Man, t'as le bouclier de Captain America, t'as genre plein de présentoirs avec des figurines ou avec des peintures. Magnifique. C'est vraiment impressionnant. Si jamais vous avez de l'argent, puis vous pouvez vous payer une autre 5 étoiles à Paris, là, ça c'est la bonne. C'est sûr que nous, on va s'enligner pour ça, qu'on va vous montrer encore notre dernière journée à Disneyland. Yes! Bye-bye! Bye-bye! Juste avant de partir, on va vous faire un petit house trip de la chambre d'hôtel. Fait que ça s'en vient. Fait que ça, c'est le cadre d'entrée. Avec un petit bain. La valise à l'eau. Le rack avec les crochets. Ici, on a la chambre de bain. Avec les trois lumières. La céramique effet bois. Un rideau de douche. À la Woody et Bourrasque. On a l'eau qui est prête à partir. Le lit avec la couverte. La botte à Woody. Le miroir en fer à cheval. Les rideaux aux couleurs des jeans puis de la chemise à Woody. La tapisserie en rouge. Une belle peinture. Un petit divan en coin. Puis le lit. Prêt à partir? Yes! On y va. Thank you.